Ce matin, je suis parti à l'aventure. J'ai roulé droit vers le sud, le long du Mississippi, vers la Louisiane, sur les traces de Dave Robichaud et des fantômes des soldats confédérés. J'ai erré dans la brume électrique des bayous, puis je suis enfin arrivé en vue du lac Pontchartrain où j'ai, hélas, croisé mon grand ami Valdemar, le platiste mythomane. Mais avant cela, je suis allé faire un petit tour en compagnie de Cyprustar et de inoxydables du côté du lac Ontario, car la fameuse vidéo présentée par Valdemar lors du hangout des Wanenki et montrant les tours de Londres depuis Dunkerque a en fait été tournée en partie en Floride, ce que j'avais démontré dans ma vidéo, et pour la deuxième partie sur la rive américaine, la rive sud du lac Ontario. Si tard et inoxydable, on reprit l'enquête là où je l'avais laissée faute de temps. Ils se sont rendus compte que la vue large des fameuses tours de Londres vues depuis la Belgique ou depuis Dunkerque selon Valdemar montrait sur la gauche une grande tour que le zoom faisait tout pour masquer. Et ce n'était autre que la fameuse tour CN de Toronto. Mise en demeure de reconnaître son incapacité à voir la supercherie, Valdemar tentait, quelques heures plus tard, de masquer sa faillite intellectuelle et morale en insultant, comme à son habitude, ses contradicteurs dans les commentaires d'une vidéo d'Hugo Lisoir. Pathétique Valdemar, pathétique platiste, et bravo à Cyprustar et à Inoxydable Mais bon, revenons à mon aventure de ce matin vers le lac Pontchartrain. Ce lac, situé en Louisiane, sur les berges duquel est construite la Nouvelle-Orléans, mesure 64 km en longueur et 38 km en largeur. Il est traversé par deux lignes électriques, dont l'une, orientée sud-sud-est-nord-nord-ouest, est quasiment rectiligne. Or, les photos de cette ligne électrique montrent, à l'œil nu, une magnifique courbure du niveau de l'eau. Qui prouve que la Terre est une sphère et que l'eau se courbe pour suivre une ligne équipotentielle de gravité. Cette ligne électrique est une lourde épine empoisonnée dans les pieds des platistes américains d'abord et de tous les autres par ricochet, dont Valdemar. Le pseudo docteur Zach, par exemple, a produit une longue vidéo pour démontrer que cette ligne électrique n'était pas rectiligne. La vue en perspective de cette irrégularité dans le tracé expliquant la courbure. Manque de bol, le pseudo docteur Zach avait pris à dessin le tracé de la ligne électrique Est-Ouest qui n'est pas la bonne. Lors du hangout des Wanenki, Valdemar a lui aussi monté de toute pièce une supercherie en montrant deux captures d'écran d'une vidéo prise en voiture au moment où l'automobiliste coupe le trajet de la ligne électrique. Mais avant, je vais partager quelques photos pour vous dire comment les, les, les globistes manipulent leurs vidéos. Euh, et, et comment ils essayent des comment ils sont incompétents dans une simple analyse euh, visuelle, hein, je ne parle pas de, de rentrer dans, dans les mesures un peu plus, euh, plus, <coughs> plus complexes, mais comment ils, euh, je parle des de vidéos d'Erastofère et d'Alpha Favonis, hein, et oh, ils n'ont pas de courage, ils, ont, ils, ont, ils, sont, ils sont tellement aveuglés par, par, par la cour courbure terrestre que même s'ils n'existaient pas, ils... Euh, euh, avec, euh, comment, euh, comment vous dire, euh, euh, ils n'ont pas de capacité euh, et analytique et surtout l'honnêteté morale hein, pour, pour faire marche arrière. La première photo sélectionnée par Valdemar juste avant le croisement, la seconde, symétriquement, juste après le croisement. Hop ça, hop ça, hop ça, hop ça, hop ça, et ben voilà, regardez maintenant. Valdemar a prétendu que ces captures d'écran prouvaient que le tracé de la ligne était en fait courbe. Et que la courbure du plan d'eau était donc un effet optique lié à cette trajectoire courbe. C'est là qu'on voit que l'incompétence, la malhonnêteté euh, des, des, des globistes qui, qui font cette analyse, comme Erastosphère, parce que je vous invite à voir son vidéo, et des Alpha-Favonis qui disent que la ligne, la ligne électrique est parfaitement droite, on ne peut pas la nier. Hein. Mais Valdemar s'est bien gardé de faire des captures d'écran au moment pile où la voiture, et donc la caméra, est dans l'alignement des premiers pylônes. Si on le fait, on constate alors qu'il y a bien une courbure de la ligne des pylônes, mais qu'elle est minime. Si on se réfère à Google Maps, en traçant une droite entre le premier pylône de l'alignement et le dernier, et si on positionne cette ligne à l'aplomb du bloc de béton de droite au début et à la fin, on se rend compte que la ligne électrique n'est effectivement pas. Pas tout à fait rectiligne. Jusqu'au kilomètre 11, en partant du pylône situé au sud et en remontant vers le nord, les pylônes s'écartent très légèrement de la ligne droite. L'écartement maximum semble se situer vers 6 km et il est environ de 3 mètres, soit un écart angulaire de 0,028 degrés ou encore 1,7 minutes d'arc. Pas de quoi fouetter un chat. Et encore moins de traiter ératosphère et alpha pavonis de manipulation, d'incompétence, de malhonnêteté intellectuelle et de mythomanie. Car si l'on regarde bien, l'incompétence, la manipulation et la malhonnêteté intellectuelle se situent uniquement du côté des platistes, ici du côté de Valdemar. En effet, Valdemar a poursuivi Il suffit d'avoir 0,5 degrés, même moins. Euh... Une ligne qui n'est pas droite, elle prendra. Vous, vous aurez cette, cette euh, comment vous dire cette, euh, l'impression qu'elle courbe. Bientôt rejoint par Ewan Ça a été débanqué, ça c'est super bon, c'est génial. C'est un effet de perspective et d'optique. Si c'est été démontré, il y a une vidéo, je crois que vous l'avez tous vu, euh, peut-être vu, c'est que tu vois c'est. Euh, c'est une femme, la voix d'une femme, qui justement fait l'expérience sur sa table. Ce matin, j'ai donc pris ma voiture et je suis allé observer une ligne de pylônes électriques à la surface du lac de Pontchartrain, mais dans sa version plate, totalement plate. Puisque la platiste américaine citée par Ewan Enki fait l'expérience sur sa table, qui mesure, dit-elle dans la vidéo, six pieds, soit un mètre soixante j'ai reproduit le dispositif expérimental sur ma table qui mesure 2,40 mètres, soit presque 8 pieds, 2 pieds de mieux que le débunkage irréfutable des platistes. J'ai d'abord vérifié que ma table est plane. Elle l'est. Presque. Dans un premier temps, j'ai disposé les livres sur un cercle de 3,50 mètres de rayon. La base et le sommet des livres montrent bien des courbes. Mais en aucun cas, elle ne ressemble à celle des pylônes du lac Pontchartrain. La base et le sommet des pylônes montent de façon à peu près parallèle, puis descendent pour disparaître derrière l'horizon, en commençant par la base en béton des pylônes. En accentuant le rayon de courbure du cercle, je passe à 55 cm de rayon, les courbes présentées par les livres ne ressemblent toujours pas à celles du lac Pontchartrain. Et enfin, j'ai positionné ma caméra exactement au niveau de mon lac Pontchartrain plat. Avec 180 degrés, ça va dépoter. Je vais mettre ces crétins de globulistes en PLS pour l'éternité. Et là, eh oui, et là, c'est la terre plate et toutes ces âneries qui est en PLS. Car le bas des livres, disposé en demi-cercle, 680 degrés, sur une table à peu près plane de 8 pieds de longueur, ne disparaît pas à la manière de l'expérience foireuse de cette internaute platiste américaine, et encore moins à la manière des pylônes du lac Pontchartrain. De toute évidence, la table de notre platiste américaine n'est pas plane, mais bombée. Et de toute évidence, la surface de l'eau du lac Pontchartrain épouse la belle courbe de la sphère terrestre. Il faut être incompétent, mythomane, manipulateur et malhonnête comme un platiste pour prétendre le contraire sur la base de deux photos mal choisies et d'une expérience sur une table foireuse. Et là, et uniquement là, mon cher Valdemar, pour une fois, je suis d'accord avec toi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a, 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 a rien, rien magique. Répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, absolument irréfutable. Répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, absolument irréfutable. Répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, absolument irréfutable.